as it come out, the fire. I think you've got it. Moto 83, une belle réussite, hein. C'est vrai que beaucoup de équipes du Moto 83 réussi une très belle réputation, entre autres le plan de la tour a été chaque année en Paris, un plateau de 360 voitures dans tout le village, et ici on a notre première, on a plus de 120 voitures, avec aussi un plateau avec des jaguars, des de la haie, des alacs, hein. C'est un très très beau plateau cette année. Jean-Loup, alors on va aller visiter une voiture, mais apparemment donc on a quand même juste une information pour une personne qui a égaré un objet. Et c'est Monsieur Joseph Estour. Monsieur Joseph Estour, vous avez égaré un objet. Nos agents, enfin nos amis de la police municipale qui ont votre objet. Donc vous pouvez retrouver cet objet auprès de la police municipale directement au niveau du glacier pour récupérer cet objet. Merci Monsieur Estour. Jean-Loup, apparemment, c'est une belle voiture qui vient encore de nous rejoindre, que l'on expose ici. Alors, c'est quoi comme véhicule? C'est une Jaguar. C'est moi qui ai roulé. 4 disques, vous. Merci Jean-Loup. Alors, on va bien évidemment effectivement retrouver le propriétaire, l'heureux propriétaire de ce véhicule. Bon, restauré ou alors en état? C'est un véhicule qui a été restauré, oui, tout à fait. C'est une, par contre, c'est une réplique avec un vrai constructeur, avec un vrai capitaine de Jaguar. On démarre comme ça une collection, on s'arrête plus. Écoutez, c'est un véhicule que j'aimerais bien avoir dans mon club. D'ailleurs, je vais lui faire des propositions pour qu'il rentre un petit peu. Il y a pas, on fait d'autres manifestations dans le mi-septembre. Et on a une très grande invitation, le 4. On propose une belle sortie. Ensemble, mesdames et messieurs, vous présenter les 120 voitures d'exception qui sont présentées sur cette élection. Jean-Loup, que l'on va retrouver. Ça n'a pas les roues machin. Bon. C'est la même, mais à part que l'eau, il y a un peu d'un.